contemporaine parce que bon nombre de gens n'ont pas peut-être fait attention. On vous parle de Françoise Joly, oui, la Mourangie, mais il y a une autre Rwandaise qui fait partie aussi du clan Sassou, dans le, qui, était, qui faisait partie aussi de la délégation d'Azerbaïdjan. Elle est là. Là, vous avez qui, là? Ominga, si c'est Ominga, là. Ominga. Regardez. Donc, la délégation congolaise, conduite par Yamourangi Yemureka Françoise Joly, elle est là. C'est elle qui avait pris la parole. C'est elle qui parlait ce jour-là. Voilà ce qui est devenu le Congo. La photo, là, qui a été bien agrandie, elle est là. La deuxième Rwandaise. Elle est là, la deuxième Rwandaise, elle est là. Donc, je cherche à connaître son nom. Elle est qui? Son nom, parce que pour l'instant, on essaie de faire des recherches. Mais Françoise Joly, elle est là. Mourangi Yemureka Françoise Joly. Là, c'est une autre Rwandaise. La photo, elle est là. Regardez. Bon. Là, vous avez le décret. Là, vous avez le décret. Le décret qui a été publié pour Françoise Joly par Sassou Nguesso, le décret quand elle avait été nommée. Décret numéro 2021-97 du 16 février 2021. Madame Joly, Françoise, mais pourquoi vous n'avez pas mis ces noms rwandaises, Yamourangi Yemureka, est nommée représentante personnelle du président de la République pour la stratégie et les négociations internationales. Madame Françoise Joly percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonction de Madame Françoise Joly. En tant qu'aussi ministre, il faut préciser, en tant que ministre Françoise Joly.